soirée, bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique, l'Union fait le plein. Et c'était pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Le Camp Nou est sans doute plus qu'un stade. C'est l'un des plus célèbres du monde. Une arène digne des plus grands. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Peut-être Gérard Piquet, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs du monde en ce qui concerne la relance. Vous en connaissez beaucoup, vous, des centraux aussi à l'aise, balle au pied? C'est un joueur clé pour la construction. Ah oui, pourquoi pas? Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. C'est parti pour cette rencontre. C'est pas mal comme affiche pour débuter cette seconde partie de championnat. C'est un match plein de promesses qui débute. On rappelle que ces deux équipes occupent les deux premières places du classement. Il cherche la profondeur. Oh, le tacle! Bah, il peut choisir de centrer. Thiago! Jordi Alba! Un bon centre dans la surface. Saoul qui choisit le côté gauche. Dans la surface. C'est dégagé. C'est une occasion ça! Ce sera le premier corner du match. Pour la défense. Jordi Alba. Oh, très bon ballon. L'Espagne, disons-le tout net, tu l'as, cible l'arrière gauche. C'est presque systématique. Ils ont quand même un sacré client sur l'aile. Après, je sais pas, c'est peut-être une tactique brillante pour ouvrir des brèches de l'autre côté. C'est joué long, c'est dangereux. Il décide d'allonger le jeu. Il était bien présent. Dans la profondeur, Isco! Un bon sang, énorme occasion! Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas! L'Espagne pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près, là! Slovénie qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct. Et la tête! Il était beau ce centre, mais une bande d'efficacité à l'arrivée. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Joue en retrait. Pas le choix avec cette défense. Bon service dans la profondeur. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Un ballon intéressant. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Bonne intervention.
Saoul qui récupère ce ballon. Ce ballon bien dosé. Le bon dégagement. Attention à ce centre. Le frappe. Mais le cadre se dérobe largement. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Thiago. Dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Il est passé. Une occasion. Et c'est intercepté. S'il le trouve, Jokic. Josip Iličić. C'est pour lui, attention. Peut-être une occasion pour Rodrigo. En la profondeur, bien vu. Et il perd l'équilibre. Touche. Saoul. L'Espagne qui cherche l'ouverture. Ça ne passera pas. Saoul. Isco. Il tente de la jouer dans l'espace. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. C'est parfait, magnifique. Il allonge le jeu. Isco. Belle passe lobée. Le gros dégagement. Ça va atterrir dans l'axe. Isco. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il déclenche son centre. Thiago qui écarte le jeu. Bon dégagement. La Slovénie qui peut avancer. Allez. Et les deux équipes qui continuent à se neutraliser. Isco. C'est bien ce qu'il fait là. Le ballon est repoussé. C'est récupéré. Bien tenté. Attention, coup franc dangereux à suivre. Et geste mal maîtrisé, logique cette sanction, carton jaune. On dirait qu'il s'est blessé sur ce contact. Voilà un bon coup franc à l'approche de la mi-temps. C'est repoussé par le gardien. Il joue sur sa gauche. Ça passera sur le côté avec Saoul. Bien joué ça. Un peu d'air pour la défense. Elle continue sa course. Il centre, attention. Ça défend comme ça peut. La passe est précise. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. L'Espagne qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion.
C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, mais on se retrouve tout de suite. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Ils obtiennent un coup franc. Longue passe. Isco. Il va au duel. Saoul. Thiago. Ce contre peut très bien aller au bout. Et ils peuvent remercier la chance cette fois. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Saoul. La Slovénie qui a gagné son dernier match, on l'a vu, grâce surtout au bon choix de son entraîneur. Oui, enfin, le mérite en revient aussi à ses joueurs, hein, parce que passer à 3... La tête ! Oh, quel coup de tête ! Mais ce n'est pas cadré ! Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là ! Il en a marqué des beaucoup plus difficiles ! Quel mauvais choix ! Jordi Alba. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Dans la profondeur. C'est dégagé très loin. Isco. Ça peut être dangereux. Aucun danger pour le gardien. L'Espagne qui effectue un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Long ballon dans le sens du jeu. Josip Iličić. Le ballon dans la profondeur. La Slovénie qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Avec Saoul. Qui est le premier sur ce ballon ? C'est repoussé. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. En retrait vers son gardien. Ça bouge côté gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien fait. Et ce ballon devant le but. Bien, bonne intervention. Dans la profondeur vers Pablo Sarabia. C'est bien donné. Thiago, et il tire. Le centre de Pablo Sarabia. Josip Iličić, qui fut décisif lors de sa dernière apparition. Bien, la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il allonge vers l'avant. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Oh, le petit ballon piqué.
un centre, il met la tête. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon sauf le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Morata qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Il se rattrape bien. Pour Pablo Sarabia, ça joue long. C'est bien intercepté. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. C'est joué dans la profondeur. Oh, l'occasion! Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Un long ballon vers l'avant. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. C'est joué long, attention. Il est à distance de tir. Gros tacle dans la surface. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Ouverture lumineuse. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Et la porte s'est refermée. Green. Josip Iličić. Va-t-il en profiter? Jokic. Le ballon piqué sur le côté. C'est centré. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Il allonge. Bonne interception, il y avait danger. C'est joué long. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Thiago. Jordi Alba. Allez, un dernier mouvement, une dernière accélération pour forcer la décision. C'est osé. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Ça peut être extrêmement dangereux. La passe dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Il rejoue derrière lui. L'interception, bien joué. L'arbitre siffle, le match est terminé. Les défenses ont été bonnes, les gardiens aussi, et les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui. 0-0, match nul. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. C'est toujours un plaisir partagé.